Bonjour tout le monde, nous voici à nouveau avec l'archange Gabriel pour obtenir un ou des messages de sa part. Pour cette vidéo, nous adressons aux personnes qui ont 59 ans en 2023, donc qui ont eu 59 ans ou qui vont avoir 59 ans. Alors, le message de l'archange Gabriel pour les personnes de 59 ans en 2023. Ah, elles vont avoir des choix à faire ces personnes, c'est ça? Ah bah alors, Gali, hop là, celle-là, c'est moi qui l'ai retournée ou c'est toi? C'est bon, je la prends? Alors, il va falloir que bien vous concentrez sur ce que vous souhaitez et faire comme vous avez envie, non plus comme on voudrait que vous fassiez, c'est ça Gali? On va avoir des choix à faire. Allez, pour les personnes de 59 ans en 2023, Gali, quels sont tes messages? Ça veut plus sortir là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'en penses, Kimby? La pensée là? Lâcher prise avec l'obscurité. La laisser de côté ce qui était gênant pour vous, tout ce qui vous faisait souffrir. Et vous allez pouvoir écouter les vérités qu'on va vous dire, que vous ne connaissiez pas, qui vous étaient cachées. Et. Ah, au-delà de ce qui est normal, ils sont hors normes. Vous allez, ah, ils vont, c'est ça que tu me dis. Ce qu'il me dit, c'est que vous allez être dans une période où vous allez agir en dehors de la norme, c'est ça? C'est marrant, tous les boutons. Hein. Bizarre. Alors, vous allez agir en dehors de la norme. Pour leur bien, je suppose. D'accord. Je continue avec ce jeu ou je change? Je change de jeu. Oh, d'accord, je prends celui-là. Bon, moi j'espère que ces messages vous parlent. Alors, pour les personnes de 59 ans en 2023. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire sur l'hérédité, Gali? On va avoir un héritage ou quoi? Non, pas forcément. Ça peut être l'hérédité familiale, quelque chose que l'on. D'un tempérament, d'une situation, c'est ça? D'accord. Les changements dans le travail, c'est ça, Gabi? Alors, ça pourrait être une entreprise familiale? Et elle me dit oui, voilà, il peut y avoir des gens qui ont des entreprises familiales et qui, pour lesquelles il va y avoir des changements dans le travail. D'accord. En positif, je suppose? Pas forcément. Continue à tirer avec ce jeu. Ah bah oui, il y a les choix à faire, c'est ça. Il y a des jalousies, mais il y a quand même la joie derrière, Gabi. Alors des jalousies par rapport aux choix qu'ils vont faire. Mais par contre, les choix qu'ils vont faire vont entraîner la joie, donc ça va bien se passer. Donc ça concerne le domaine professionnel plutôt. Voilà quoi. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être affectif. Mais quoi? Et dans ce cas-là, pour ceux pour lesquels ce serait affectif, ce serait des changements. Ils auraient fait des changements. Il va y avoir des changements, ils auraient fait un travail sur eux-mêmes. C'est ça? D'accord. Est-ce que je continue à tirer les cartes, Gabi, ou pas? C'est bon comme ça? Donc j'espère que ça vous parle, finalement. Moi, j'en sais rien, moi. C'est bon comme ça, et puis c'est tout? D'accord. Bon, bah c'est bon comme ça, alors. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'espère que bah, ça vous parle comme message. Bisous, bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo.